Iris Mittenaer a vu sa vie changer radicalement, depuis qu'elle a été élue Miss France puis Miss Univers 2016. Désormais très sollicitée, la blonde de 25 ans qui rêve de devenir dentiste a cependant dû faire un choix. À lire aussi Vionnet, une décision radicale, message Carla Moreau, les Marseillais, laissez d'être critiqués, sa décision radicale. Anne-Sophie Lapix lynchée après une remarque, sa décision radicale. Qu'on se le dise, contrairement au souhait initial, qu'elle avait émis publiquement à de nombreuses reprises, la petite amie de l'humoriste Kev Adams, a décidé de ne pas reprendre ses études de dentiste à la rentrée prochaine. Interrogée par nos confrères de Téléstar, Iris Mittenaer, qui n'imite donc pas la belle Marine l'Orphelin, a finalement statué « Je ne vais pas reprendre mes études, du moins pas cette année. J'ai de nombreux projets professionnels, et j'ai aussi mon autobiographie qui va sortir en novembre. » Il est vrai qu'Iris a le vent en poupe, et qu'il serait dommage de freiner son début de carrière très prometteur. Recrutée par TF1 il y a quelques mois, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà mis en boîte la troisième saison de Ninja Warrior aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brognard. En avril dernier, elle ne cachait pas avoir d'autres projets avec la chaîne, avec TF1, j'ai signé sur le long terme. J'ai des projets. Quoi faire? J'adore manger donc un programme en rapport avec la cuisine, cela me plairait d'en animer un. Ninja Warrior 3, c'est dans quelques semaines en prime time sur TF1.